Pour la dernière fois en 2018, je reçois la sommelière et conseillère en vin de la SAQ Sainte-Adèle, Manon Chalifoux. Ensemble, on découvre des produits du domaine Filion. Salut Manon. Bonjour Julie. Ça me fait plaisir de te recevoir encore une fois. Toujours un plaisir. Oui, vraiment. Plaisir partagé. Alors, les produits du domaine Filion. Oui. Pourquoi on a décidé de consacrer notre chronique à ça aujourd'hui particulièrement? Bien, en fait, d'abord, un coup de cœur pour le packaging. Étant donné qu'on me disait hors d'onde et que beaucoup de mes clients vivent cette situation-là, on achète d'abord le contenant, puis ensuite on achète le contenu. Ce qu'on te disait hors d'onde, c'est le « on, c'est moi ». On achète le beau avant d'acheter le bon quand on ne connaît pas ça. Mais grâce à toi, on peut jumeler les deux, exactement. Trouver ce beau et trouver ce bon. Oui, alors, ça, exactement. C'est l'idée, d'ailleurs. Donc, packaging magnifique du domaine Filion, mais en plus, c'est qu'à l'intérieur, le produit est vraiment impeccable. On a et le vin de poire et le vin de pomme, mais de glace. Et dans les deux cas, on a procédé par cryoconcentration. Donc, c'est-à-dire qu'on a cueilli les fruits très, très tard en saison, le plus tard possible. Et c'est vraiment les fruits qui sont cueillis sur les arbres fruitiers. Il n'y a aucun fruit qui est ramassé par terre. Okay. Donc, ça pourrait être tentant des fois parce qu'ils en tombent, mais ceux-là, ils sont laissés pour d'autres usages. Et vraiment, les fruits cueillis sur l'arbre le plus tard possible pour avoir le plus de concentration au niveau du sucre. On va entreposer ces fruits-là en milieu contrôlé et on va les presser, on va garder les jus. Et quand l'hiver arrive et qu'il fait moins 10, moins 12 degrés, on va sortir ces jus-là à l'extérieur. Ils vont geler. Et là, on va avoir la cryoconcentration. Donc, l'eau contenue dans les jus va geler. Et on va garder que la concentration du jus. Et là, on va procéder à la fermentation à très basse température pour aller chercher le maximum de complexité au niveau des saveurs, au niveau des arômes également. Et là, on a un bouquet à chaque fois dans le verre. Mais des cidres de pommes, des cidres de poires, tu nous en as présenté oui. avant. Celui-là particulièrement, pourquoi? Il est beau, on en convient, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a son goût en particulier? Bien, en fait, c'est qu'on a vraiment un mariage entre le fruit frais. Donc, on a presque l'impression d'avoir le fruit frais dans les mains, mais on a aussi avec la complexité du fruit qui est cuit, qui est mûri, ouais. Et on a vraiment ce mélange-là. On n'a pas l'impression d'être sur un vieux fruit taré. On a vraiment l'équilibre entre le fruit frais et le fruit mûri. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Au niveau des sucres aussi, le sucre n'est vraiment pas en dominance. Donc, l'acidité est plus mise de l'avant. Donc, on a un liquide qui est rafraîchissant. Et qui va être aussi bon à l'apéro, qui va être bon sur un foie gras que sur un dessert. Non, il écœure pas en bon Exactement. Français le sucre Exactement. À l'intérieur et tout. Et pour les gens qui apprécient moins le côté alcoolisé, bien évidemment, cette gamme de produits-là, on jouait toujours dans les 9-10 % d'alcool maximum. Donc, ça reste très souple au niveau de l'alcool. Là, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas d'enivrement, même si on prend juste une gorgée. Oui, exactement. Et on commence par lequel? Donc, on commence avec la pomme, le cidre de glace Friga. Donc, on prend 5 variétés de pommes pour cette cuvée-là. 9,5 kg de pommes par litre. Donc, 4 kg pour faire une demi-bouteille. Donc, là, on a à peu près 2 kg de pommes pour faire ce petit format qui est 200 ml. Mais ça justifie ça, entre autres, le procédé un peu complexe que tu expliquais, mais aussi la quantité de pommes utilisées, ça justifie le prix. Effectivement. Okay. Là, on est quand même, dans le cas du cidre ici, pour le 200 ml, on est à 16 $. Ah, ouais. Donc, très abordable. Moi, c'est l'année passée, ce que j'ai fait, j'ai mis ça dans mes bonnes Noël pour les invités qui venaient chez moi, ils repartent avec un bon Noël, c'est ce que j'avais dedans. Est-ce que moi, je suis de tes invités? L'année passée. Cette année, ça va être la poire. OK. Donc, peut-être que tu y seras. OK, j'espère que tes invités n'écoutent pas l'émission actuellement. Alors, on goûte? Zut. Donc, tu vois comment c'est onctueux, comment on a le côté craquant de la pomme fraîche. En même temps. On dirait presque qu'on croque une vraie pomme. Oui. Puis en même temps, on a tout le côté épices, miel, sans de la texture, sans de l'intensité. Oui. Manque juste le foie gras. La quantité de choses que tu peux dire sur un breuvage, mais de choses véridiques, ça m'étonne à chaque fois. C'est un réel bonheur que je goûte une seconde fois, le temps de parler du prochain produit. Donc, juste une petite note encore sur Friga. C'est un cidre et il ne faut pas oublier que depuis 2014, on a une indication géographique protégée pour les cidres de glace, dont Friga en fait partie. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit de faire congeler les jus de façon non naturelle. Donc, comme j'expliquais, on fait de la cryoconcentration, mais on ne pourrait pas avoir un cidre de glace qui est fait avec des jus qui sont faits en glacière, par exemple. Mais on sentirait la différence, en tout cas. Oui, définitivement, pour l'avoir déjà vécu sur des produits autres que québécois,
ça goûte pas pareil. C'est pas aussi complexe, aussi mais il y a un IGP, il y a une protection qui est faite au niveau de la fabrication. Okay, donc, produit, les pommes doivent être du Québec, le procédé est légiféré. Donc, et à 16 $ c'est vraiment impeccable. C'est excellent. Le poiré, même principe, mais la poire, ça là, comme je disais sur une autre émission, on est vraiment sur la délicatesse, la dentelle. Pour ceux qui veulent vraiment aller chercher, là, juste un petit bonheur. Ah, un bonheur en bouteille. Quelle belle promo. Oui. Donc, encore une fois, on sent bien le côté fruits frais. On est sur la poire beauté flamande, qui est une poire qui est un peu rougeâtre et qui donne des jus très sucrés. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise pour faire la poire de glace. C'est très bon. Et là, on est sur Gaïa. Et on est à 19,95 $, donc sous la barre des 20 $. C'est impeccable, encore une fois. Oui, ah ouais, vraiment. J'achète, vraiment, littéralement. Et je confirme, c'est toujours aussi bon. Oui, alors félicitations à cette entreprise-là pour la création de ces deux produits-là qu'on aime, qu'on achète. Et là, tu tiens entre tes mains un autre produit. Bien, c'est un nouveau produit. La dernière fois, on s'est parlé de la distillerie Mariana. Oui. Tu te souviens? Et après avoir contacté les propriétaires, ils me sont revenus. Et ils ont dit, on a un nouveau produit qui s'en vient, ça s'appelle le Saint-Crème. Le Saint-Crème. Le Saint-Crème. Fait que là, je fais, ah, OK, mais qu'est-ce que c'est? Alors, une crème de sucre à la crème. Là, j'ai dit, oh, mon foie, je ne suis pas sûre qu'il va aimer ça. Oui, mon taux de sucre non plus. Mais mon foie adore. Ah, OK, d'accord. L'heureux problème que nous avons en ce moment, c'est que le produit, quoique très nouveau, est déjà plus disponible. OK. Alors, il faut courir à la SAQ, après l'émission si les gens veulent risquer de... Et déjà, j'en ai plus à Sainte-Adèle. Non plus. Okay. Donc, j'ai parlé avec Jonathan Couturier, puis j'ai dit, écoute, il m'en faut absolument. Fait qu'on travaille très, très fort pour avoir une deuxième livraison. Et on espère l'avoir pour Noël, parce que tu vas voir, c'est absolument magique. Ouais. 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 Donc, oh ouais. À surveiller de près. Si j'avais pas une émission à terminer, je pense que j'irais pour celui-là. C'est comme du sucre à crème. C'est très riche, c'est en bouche, hein, ça prend toute la place. La finale est vraiment sur le sucre à crème. L'alcool n'est pas dominant, on est à 17 %. Donc, oui, il y a du sucre, oui, il y a de la crème. Bien, bon. Le temps des fêtes. Voilà. On s'entraînera en 2019. Bonne idée. Merci pour grand cette plaisir, belle Julie. Saison, Manon. C'est toujours vraiment un plaisir d'apprendre humblement à tes côtés. La SAQ a finalement réussi à... En fait, les syndiqués de la SAQ ont réussi à conclure une entente intéressante pour les travailleurs. Raconte-moi ça en 30 secondes. Bien, en 30 secondes, on a eu des blitz de négociation presque 24 heures sur 24 entre les deux exécutifs. Finalement, samedi, pas samedi passé, l'autre d'avant, on a eu à 8 heures le matin une entente de principe qui a été signée entre les deux parties. On n'a pas encore les tenants et aboutissants, mais on se dit qu'après 23 mois de négociation, on devrait avoir une entente satisfaisante. Alors, on ne peut pas douter de la persévérance des gens de la SAQ. Mais des syndiqués à tout le moins. Un long combat, mais ça a été une belle bataille, puis tout le monde fait des gains. Merci infiniment. Merci Julie. Bonne fin d'année. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Dans quelques instants, on discute de l'importance du mentorat en affaires.